Nous allons vous présenter une fête magique, pleine de joie dans le judaïsme, qui est celle de Simchat Torah. Mais il y a une règle qui est donnée, c'est que la Torah doit être posée au centre de la synagogue et on doit tourner autour de la Torah. Tu es un jeune, tu as fait tes études en France, tu travailles en France. Comment est-ce que tu arrives à voir la Torah au centre de ta vie? Alors, c'est pas tous les jours évident. Ça, c'est sûr. Je me souviens d'un professeur qui voulait mettre un examen d'entraînement le jour de Kippour. Et je lui avais dit un petit peu avant que je ne pourrais pas être présent. Et il était vraiment très surpris. Il m'a dit qu'il me mettrait 0 sur 20. Et en fait, quelques jours après, il est venu me voir. Et il m'a dit qu'il n'avait pas saisi l'importance de cette fête. Il a dû faire ses propres recherches. Et il m'a fait repasser un examen d'entraînement quelques jours suivants. Si on est un peu confiant en la chose, si on est un petit peu sûr de son identité, il est tout à fait possible d'allier cette identité juive avec, en tout cas, les études en France.